Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage de votre vie sentimentale. Voyons ensemble quels signes nous faisons aujourd'hui. Les Gémeaux. Allez les Gémeaux, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans ta vie sentimentale. Tu prends évidemment que si ça résonne avec ton histoire. Voilà, toujours pareil. J'ai pas mis de datation. Voilà, je me dis que si le titre te parle, tout simplement. Voilà. Alors, Gémeaux, Lune en Gémeaux, Ascendant Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Allons voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ici? Y a des moustiques, c'est l'horreur. Alors, nous avons nouveauté, départ, création, paranoïa, folie, tracas. Ok. Bah, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a quelque chose que tu démarres ici, mais est-ce que tu te prends la tête en fait? Ouais, on te dit de faire un sourire. Alors, qu'est-ce que c'est tous ces symboles-là? Bon, il y a le nouveau départ, plutôt créatif ici dans une relation, les Gémeaux. Mais j'ai l'impression que vous vous prenez la tête. Alors, soit c'est toi qui te prends la tête, soit c'est la personne en face de toi qui est un petit peu space, quoi. Alors, paranoïa, c'est pas une super carte, hein, tu le sais. Bah, tu vois un peu là. Ouais. Tu vois un petit peu le visage de la personne ici. Ça voudrait dire, Gémeaux, que tu as peut-être croisé quelqu'un qui est un peu particulier. Bon, on sait, les Gémeaux, vous êtes des personnes très particulières. Bon, moi j'adore, hein, j'ai beaucoup de Gémeaux autour de moi. Mais effectivement, ouais. Il y a l'idée de rencontrer quelqu'un qui est... C'est pas que c'est pas normal, c'est juste que c'est quelqu'un qui est différent, voilà, ou différente. Voilà. Alors, moi je pense qu'il faut que tu arrêtes aussi, peut-être. Alors, je te dis ça, ça peut être ça, ça peut être quelqu'un avec une personnalité un petit peu fofolle, tu vois, mais tu es sur un nouveau départ. Et. La paranoïa aussi, c'est de voir le mal partout, tu vois. Donc, ne sabote pas quelque chose ici, parce que tu peux être dans une nouvelle relation, Gémeaux, et à force de voir le mal partout, tu vas finir par le déclencher. Voilà. Tu t'es, en fait, tu peux t'infliger. Alors, toujours pareil, en fait. Hein, le truc, c'est que tu as vécu beaucoup de choses, peut-être. Tu vois, tu as le 4 et le 4. Donc, tu es vraiment. Oh, ce moustique, il me pique, c'est l'horreur. Tu es vraiment dans un nouveau départ. Constructif, stable, sympa, tu vois. Tu es vraiment dans quelque chose de sympa. Donc, quelque part, la paranoïa, c'est de te dire que tu es tellement dans la peur. Ouais, tu es dans la peur de te faire trahir. Tu es dans la peur, tu as des suspicions, tu vois. Il y a de la jalousie, il y a de la douleur. Et en fait, arrête de t'infliger ça. Arrête. Ça n'a aucun sens. Voilà, c'est. Tu vas te retrouver triste. Tu te fais du mal en fait, et maintenant tu peux avancer dans quelque chose de nouveau ici, Gémeaux. Après, peut-être qu'il faut que tu te fasses aider, accompagner par quelqu'un pour arrêter aussi de t'auto-saboter. Et ça peut venir aussi d'anciennes relations où effectivement tu as eu beaucoup de déceptions, Gémeaux, et de ce fait aujourd'hui tu vois le mal partout, tu vois. Donc, ouais. En fait, si tu veux la thérapie, ne te dis pas que de te faire accompagner peut être synonyme, pardon, de pas être normal. Ça, je te parlais de normalité au départ. C'est quoi en fait la définition de la normalité, tu vois? Il n'y a pas de définition de la normalité. Ouais, je suis pas normal, t'es pas normal. Moi, je te dis que soit tu as rencontré quelqu'un qui est vraiment un peu hors du commun, ou alors c'est toi qui es dans cette énergie d'auto-sabotage et qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui n'est pas réglé chez toi, Gémeaux, pour que tu aies toujours peur, justement. Voilà. Et tu as peut-être besoin de te faire accompagner, justement, peut-être ponctuellement, des fois quand on traverse des moments difficiles, tu vois, voilà, de lâcher prise et de juste vivre le truc, quoi. Ouais. De vivre le truc et d'arrêter de croire qu'il y a toujours un problème. Tu vois, j'ai la carte du mental là qui est tombée. Ouais, le 5 d'épée, t'es tout le temps dans la réflexion, dans le mental. Bon, signe d'air, Gémeaux, on le sait. Alors, on peut voir là, on va poser quelques cartes pour ton énergie. Allez, Gémeaux, dans quelles vibes? Ouais, parce que là, t'es quand même sur quelque chose de chouette, quoi. Alors, tu vois, il y a un chevalier de coupe ici. Il y a bien quelqu'un qui t'apporte sa coupe. Un petit chevalier de coupe, ou alors c'est toi hein, qui amène ta coupe à quelqu'un. En tout cas, on est dans cette énergie-là.
on tourne le dos, tu vois. Le 8 de coupe, c'est de dire on tourne le dos à certaines choses qui n'ont pas fonctionné. Donc, tu es bien quelque part dans un nouveau départ. Mais les choses pour lesquelles, ici, le 8 de coupe, tu vois, c'est quand on s'éloigne de quelque chose qui n'a pas. On a tranché, on a pris la décision, tu vois, Gémeaux. Ici, on s'offre un nouveau départ avec un chevalier de coupe. Hein. On voit quelqu'un ici qui t'apporte des fleurs, tout ça. Alors, effectivement, tu as peur. Ça, je l'entends. Tu as peur. Tu tournes le dos à quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est bien ce que tu es en train de faire. Alors, la paranoïa, c'est ça, hein, la folie, le trac. C'est que quelque part, tu es la reine d'épée. Ça veut dire que tu as tranché. Tu as pris une décision dans une relation qui ne te correspondait plus. Sauf que là, tu es sur autre chose. Donc, tu es sur autre chose, il faut y aller tranquille, d'accord? On y va tranquille. On laisse derrière soi les pensées limitantes, on laisse derrière soi quelque chose qui n'a pas fonctionné. Même tes émotions, voilà, à un moment donné, on doit laisser quelque chose. Donc, non seulement tu laisses ces pensées limitantes et tes peurs aussi, parce que là, tu es beaucoup dans les émotions et le 8 de coupe, c'est vraiment un changement radical, tu vois. Tu étais en train totalement de changer de vie ici, Gémeaux. Tu laisses derrière toi quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et en plus, avec la reine d'épée, c'est que pour toi, c'est carré. Ça veut dire que tu as suffisamment réfléchi, compris, tu as pris suffisamment de claques et tu sais exactement ce que tu veux, ce que tu veux pas. Donc, tu prends l'initiative de couper avec quelque chose. Voilà. Cette relation, elle ne te satisfaisait plus. Donc, tu t'en vas. C'est l'énergie dans laquelle tu es ici, Gémeaux. Je n'ai plus envie de vivre ça. Ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'apporte rien. Je suis pas satisfaite, je suis pas satisfait. Tu peux quitter aussi cette vie un peu sécure que tu avais au niveau émotionnel avec quelqu'un, tu vois, tu es vraiment dans cette énergie. Et puis il y a le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe, il vient, il t'apporte sa coupe. C'est tout nouveau, c'est tout sympa. Mais ne te sabote pas, voilà, ne sabote pas quelque chose qui pourrait être sympa, tout simplement parce que ça n'a pas marché par le passé, quoi, tout simplement, hein. Voilà, la passion, c'est sympa. Bon. Faut faire attention, voilà, on y va tranquille, mais dans le faire attention, il n'y a pas le truc de dire je me sabote non plus, quoi. Voilà. Donc, il peut y avoir effectivement eu beaucoup d'attentes dans l'amour ici, Gémeaux, hein, beaucoup, beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves, trop d'émotions, voilà, et peut-être un peu irrationnel dans ce que tu attends, parce qu'il y a quand même, il y a tes désirs, VS. La réalité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, à un moment donné, arrête de te rêver non plus qu'un truc d'un truc utopique. Voilà, quoi. Donc, c'est peut-être le bon moment, tu vois, de prendre vraiment du recul ici et de voir réellement ce qui te passionne. Donc, si tu as quelqu'un, effectivement, de tout nouveau dans ta vie ici, tranquille, quoi. Voilà, on n'est pas pressé, quoi. On y va tranquille ou quoi. D'accord? Ouais. Ouais, il y a beaucoup de. Il y a une âme romantique ici, hein, tu vois, ton énergie, c'est que tu es beaucoup dans le romantisme. Tu attendais peut-être justement de quelqu'un ce côté-là un petit peu romantique. Il y a peut-être aussi avoir été aveuglé par l'amour, tu vois, avec le chevalier de coupe. Tu peux être, pardon, aveuglé aussi par l'amour. Et peut-être que tu te laisses beaucoup emporter par tes rêves, par tes visions, voilà, et tu fais pas attention. Donc ça, ce mode de fonctionnement, il faut le laisser derrière toi. Tu vois, tu fais gaffe maintenant. Voilà, il faut que tu fasses gaffe, mais pas au point de t'inventer non plus des problèmes quand il n'y en a pas, quoi. Ce serait un petit peu dommage, hein. Alors, c'est quoi l'énergie en face de toi longtemps, parce que moi j'avais pas mis encore l'intention. Allez, quelle est l'énergie de la personne en face de toi, Gémeaux? Alors, un as de coupe, un 4 d'épée. Ouais, cette personne elle se met en pause là, elle a besoin de souffler. Elle a un as de coupe, donc elle est dans l'amour, elle a envie de cette relation avec toi, tu vois, c'est plutôt sympa. Et elle ressent un roi de coupe. Ok, bon, il y a quand même la trahison en dos de deck. Hein. C'est quelqu'un qui a été trahi, Gémeaux. C'est quelqu'un qui pour l'instant, est en mode je souffle, je me pose, qui peut être effectivement un roi de coupe. Un roi de coupe, c'est quelqu'un qui s'isole un peu, qui a un peu du mal à réouvrir son cœur, mais qui est quand même dispo, tu vois, avec l'as de coupe. Alors, cette énergie en face de toi, Gémeaux, elle a envie d'amour, hein, parce que l'as de coupe, c'est s'apporter de l'amour à soi, déjà. Il y a une sorte de bénédiction, de joie, de réussite ici, dans le fait que c'est une carte fabuleuse, hein, c'est un don de l'univers en fait. Donc cette personne, elle est là, elle apporte sa coupe pleine d'amour. D'accord? Mais elle a vécu des choses assez compliquées aussi, tu vois, avec le roi de coupe. C'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui, voilà, qui fait attention, qui est beaucoup dans les émotions, beaucoup dans le mental aussi, mais qui a envie de souffler en fait. Qui a vécu des trucs pas cool, mais qui a besoin justement de mettre ce mental en pause. Voilà.
Elle reste ouverte, cette personne, à l'amour. Donc c'est pour ça que quelque part, ne vient pas saboter ce truc, quoi. Voilà, c'est tout. Ne vient pas saboter ça parce que il y a cet as de coupe, tu vois, et toi, il y a quelque chose qui est sympa pour toi, mais à condition de laisser derrière toi les comportements du passé, en fait. Voilà. Alors, c'est vrai que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a vécu pas mal d'histoires d'amour, hein, forcément, et qui a besoin aussi de tout contrôler, tu vois. Alors, qui a envie d'apporter sa coupe ici, qui veut malgré tout arrêter de tout le temps réfléchir et de se dire que voilà, est-ce que encore une fois, je vais pas me faire avoir, tu vois. Il y a un manque de confiance au fait qu'une histoire peut aussi fonctionner. Et c'est quelqu'un qui garde un petit peu le contrôle de ses émotions. Mais le contrôle de ses émotions, le problème, c'est que ça peut effectivement la distancer. Voilà, ça peut. Il y a un moustique qui me tourne autour et me pique, c'est l'horreur. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est quelqu'un qui est là, qui a envie d'amour, mais qui a peur. Voilà, qui peut avoir peur. C'est quelqu'un qui hésite un petit peu à s'impliquer, tu vois. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui hésite à s'impliquer, qui a peur de s'impliquer, qui a peur de souffrir, qui pense que peut-être l'amour est trop compliqué, que voilà, qui, effectivement. Bon. Alors c'est sûr que toi, c'est pour ça aussi que tu es dans ce mode, peut-être dans ce nouveau départ, tu es peut-être dans ce mode aussi de son comportement, en fait, de se protéger et qui a malgré tout envie d'amour, tu vois, ça te fait peur parce que tu te dis, bon, voilà, est-ce que cette personne, elle n'est pas un petit peu trop distante? Est-ce qu'elle va vraiment s'impliquer dans cette histoire avec moi? Tu vois, c'est pour ça que tu sais que tes pensées créent ta réalité, hein, donc fais attention là, à tes énergies, comment tu vois, sois confiante, sois confiante, en fait, Jimmy. Alors, on va voir l'énergie de vous deux là. Qu'est-ce qu'on a pour tous les deux? Dans quelle vibes vous êtes tous les deux? Alors, on a le 10 de Pentacle, hein. On a envie de bonheur, on a envie de se sentir bien, on a envie de construire, on a envie de vraiment construire dans le temps quelque chose, hein. On a vraiment envie de cette union. Voilà, en plus avec le 9 de coupe, donc c'est vraiment l'apothéose au niveau des émotions. On a envie d'aimer quelque part, tu vois. Je pense que tous les deux, là, les Gémeaux, il y a deux personnes vraiment dans la souffrance, tu vois, qui ont beaucoup souffert, mais on a ce 10 de Pentacle, ce 9 de coupe, tu vois, et ce chevalier de bâton, c'est génial. Donc, on va y arriver. On sait qu'on va devoir combattre un petit peu, tu vois, encore des dragons, des défis, et du mental aussi, et de, voilà, mais on a envie d'avancer, en tout cas. Voilà, on va prendre le temps, on va prendre le temps d'avancer, on est là-dedans, quoi. En fait, j'ai l'impression que vous considérez tous les deux que c'est une super opportunité de construire quelque chose. Et on va avancer main dans la main. Même si par moment, il faudra combattre certaines choses, il y a l'idée vraiment d'être déterminé, passionné, avoir envie vraiment de construire quelque chose, tu vois, avec le chevalier de bâton. Ça va prendre du temps. Voilà, on part pas à fond, mais toi, ne t'auto-sabote pas non plus dans cette relation, avance tranquillement. Et vraiment, le 9 de coupe, c'est voilà, on se dit que c'est une super opportunité, tu vois. C'est, enfin voilà, c'est quelque chose qui nous amène presque au 10 de coupe, c'est-à-dire c'est vraiment la personne qui te correspond. Voilà, c'est quelqu'un avec qui tu peux être bien, c'est quelqu'un avec qui, et l'un et l'autre, on est dans la même énergie de se plaire émotionnellement, on ressent les mêmes choses. Voilà, mais il y a des doutes, il y a des peurs qui subsistent de par, enfin, des deux côtés en fait, hein, des deux côtés, hein. Parce qu'on a peur d'être blessé, on a peur de se tromper, on a peur d'aller dans la mauvaise direction, mais on y va, tu vois, malgré tout. On voit ici que tous les deux, vous êtes dans une énergie quelque part de voilà, j'ai envie de construire avec le 10 de Pentacle. C'est quelqu'un qui me plaît, c'est quelqu'un qui me correspond et j'ai envie d'avancer, j'ai envie de continuer. Tu peux avoir un signe de feu ici. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. Donc tu vois, on est vraiment dans une énergie d'avoir envie d'avancer ensemble. Peu importe, on combattra quelque part nos peurs, nos angoisses, nos machins, nos trucs. Voilà, c'est plutôt sympa. Voilà les Gémeaux. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous parlera. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Rappelez-vous l'adage de la chaîne et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je vous embrasse. Bye bye.